Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire un jeu de numération qui est le jeu de la bataille. Peut-être savez-vous déjà jouer au jeu de la bataille. Pour jouer au jeu de la bataille, il nous faut des cartes. Tout d'abord, je vais vous montrer une série de cartes. Des cartes de 1 à 10 avec le symbole du trèfle. Et des cartes de 1 à 10 avec le symbole du pic. Ça, c'est l'as, c'est le 1. Le 2, 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc là, pour cette première partie de jeu, nous allons jouer uniquement avec les trèfles et les piques. Je vais mélanger les cartes. Et je vais distribuer les cartes à loup et louve. Une carte chacun à la fois. Et voilà. Chacun a ses cartes sur le côté. Le but du jeu, mettre chacun une carte sur le bureau. Celui qui a la plus grande carte gagne. Je vous montre. Voici la carte de loup. Voici la carte de louve. Ici, nous ne nous occupons pas des chiffres qui sont indiqués en haut des cartes. Nous allons garder uniquement les symboles. Ici, pour les deux cartes, ce sont des trèfles. Combien a de trèfles louve? 5. Très bien, nous vérifions. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, loup, combien a-t-il de trèfles? 7, nous vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 et 2, ça fait 7. Il y a 7. 7 trèfles pour loup, 5 trèfles pour louve. Qui est-ce qui gagne, les enfants? Celui qui a la plus grande carte. Donc, qui est-ce qui gagne? Oui, loup, très bien. Loup a 7 trèfles, louve en a 5. Donc, c'est loup qui gagne. Donc, il gagne les deux cartes. Nous poursuivons le jeu. Loup, 7. Et louve, 6. Cette fois-ci, ce sont des piques. Vous pouvez vérifier en comptant les symboles sur les cartes. Ou alors, reconnaître directement que c'est bien, là par exemple, le 6. C'est la constellation du dé. Vous avez vu, 3 d'un côté, 3 de l'autre. En tout, ça fait 6. Ici, il y a 5 en haut, 2 en bas, ça fait 7. Donc, louve a 6 piques. Loup en a 7. Qui est-ce qui a le plus de piques? Qui a la plus grande carte? C'est loup, une fois de plus. Et oui, 7, c'est plus grand que 6. Donc, loup gagne les deux cartes. Poursuivons. Louve a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa carte fait 9. Elle a 9 piques. Combien a de piques? Loup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loup a 8 piques. Louve en a 9. Qui est-ce qui a la plus grande carte? Qu'est-ce qui est le plus grand? 8 ou 9? 9, très bien les enfants. Donc c'est cette fois-ci, c'est loup qui gagne. Là. Elle en tombe à la renverse d'avoir gagné. Poursuivons.
Alors, Louvre a 4 et Lou 2. Nous vérifions 1, 2, 3, 4. 2 et encore 2, ça fait 4. Et là, 1, 2. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand ? 4 ou 2, les enfants ? Oui, 4. Donc, c'est encore Louvre qui gagne. Très bien, les enfants. Poursuivons. Alors, là, il va falloir compter, les enfants. Combien a Louvre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Louvre a 9. Combien a Lou ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lou a 10 et Louvre a 9. Qu'est-ce qui a la plus grande carte ? Oui, Lou, très bien. Parce que Lou a 10 et 10 est plus grand que 9. Donc cette fois-ci, c'est Lou qui gagne. Poursuivons. Comptons chaque carte. Alors, Louvre a posé une carte en trèfle. Voyons combien il y a de trèfles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trèfles. Combien Lou a de trèfles ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, 5 et 5. Vous vous rappelez ? 5 et 5, ça fait 10. Donc, Louve a 8 et Lou a 10. Qu'est-ce qui gagne ? Oui, très bien, c'est Lou. Parce que 10, c'est plus grand que 8. Nous poursuivons. Alors. Oula. Reste parmi nous, Lou. Lou a 1. Et Louvre a 2. Qui est-ce qui gagne ? Qui est-ce qui a la plus grande carte ? Oui, c'est Louvre. Très bien. 2, c'est plus grand que 1. Nous poursuivons. Alors, Louvre a combien, les enfants ? 3. Très bien. Et Lou a combien ? 5. Vérifions. 1, 2, 3, 4. 5. Très bien. Qui est-ce qui gagne, les enfants ? Louvre avec 3 ou Lou avec 5 ? Oui, Lou, parce que 5, c'est plus grand que 3. Très bien. Nous poursuivons. Alors, combien a fait Louvre ? 3. Très bien. Et combien fait Lou ? 1. Alors, qui est-ce qui gagne, les enfants ? Qui a la plus grande carte ? C'est Louvre. Très bien. 3 est plus grand que 1. Donc, c'est Louvre qui gagne. Dernière carte. Louvre a fait 6. Et Lou, 4. Donc, Lou a une carte avec 6 trèfles. Lou a une carte avec 4 piques. Qui gagne, les enfants ? Oui, c'est Lou. Très bien, parce que 6, c'est plus grand que 4. Très, très bien, les enfants. Alors, pour savoir qui est-ce qui a gagné, puisqu'il n'y a plus de cartes, nous allons compter les cartes obtenues. Comptons d'abord les cartes de Louvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Louvre a gagné 10 cartes. Et maintenant, Lou. 1, 2, 3, 4, comptez bien avec moi, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lou a 10 cartes et Louvre a 10 cartes. Qu'est-ce qui se passe, les enfants ?
Eh oui, il y a égalité. Ils ont tous les deux gagné. Pardon, les enfants. Eh oui, ils sont à égalité. Tous les deux ont gagné. Louve a 10 cartes. Lou a 10 cartes. À la maison, les enfants, vous pourrez jouer au jeu de la bataille avec un jeu traditionnel, avec le jeu de cartes traditionnel. Je vous montre ça. Là, c'était les cartes géantes que j'avais fabriquées. Mais à la maison, vous avez certainement un jeu de cartes, regardez, comme celui-ci. Il faudra juste garder dans votre jeu de cartes, s'il est complet, que les cartes où il y a des chiffres, les enfants. Il ne faudra pas garder les cartes avec les figures. Vous savez, avec les rois et les reines, il faudra juste garder les cartes avec les chiffres. Je vais essayer de voir. Oui, mais voici. Voilà les cartes avec les figures. Donc le roi, la reine, le valet. Celles-ci, il ne faut pas les prendre pour jouer au jeu de la bataille. Vous avez vu, je les avais mises de côté. Vous n'utilisez que les cartes avec les chiffres. Vous distribuez le même nombre de cartes aux joueurs. Et ensuite, vous pouvez commencer à jouer. Au jeu de la bataille, il y a un moment où il y a bataille dans le jeu. Lorsque là, nous venons de jouer avec Lou et Louvre, il n'y a pas eu bataille. Et vous ne savez pas peut-être ce que ça veut dire bataille. Alors, je vais vous expliquer. Et on dit qu'il y a bataille quand les joueurs ont la même carte. Regardez par exemple ici, Lou a le 4 et Louve a le 4 aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a bataille parce qu'ils ont la même carte. C'est pareil. Ils ont la même quantité sur chaque carte. Lou a 4 et Louve a 4. Donc, quand on a bataille, on doit prendre une carte de son jeu. Donc là, je vais mettre les cartes pour Lou et Louve, comme c'est qui jouait. Donc là, il y a bataille. Ils doivent prendre une carte de leur jeu et la poser face cachée. Voilà. Ensuite, prendre une autre carte et la montrer face découverte. Comme ça. Maintenant, on regarde qui a la carte la plus forte. La Louve a 5. Très bien, les enfants. Là, sur sa carte, il y a 5. Et Lou, sur sa carte, il y a 3. Qui est-ce qui a la carte la plus forte, la plus grande? C'est Louve. Elle a 5 et 5, c'est plus grand que 3. Donc, Louve gagne, les enfants, toutes les cartes. Donc, c'est là où il y a eu bataille. C'est, voilà ce qu'on appelle bataille. Donc, Louve a gagné tout le tas de cartes. On montre à nouveau. Alors, les enfants, regardez. Ici, Louve a fait... Oui, 4, très bien. Et Lou a fait... 2. Est-ce qu'il y a bataille, les enfants? Je vous montre bien les cartes. Est-ce qu'il y a bataille? Et non, vous avez raison, il n'y a pas bataille. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a 4 et de l'autre côté, il y a 2. Pour qu'il y ait bataille, il faut qu'il y ait les mêmes cartes. Donc, soit 2 fois le 4, 4 et 4, ou alors 2 et 2. Mais là, c'est 4 et 2, donc il n'y a pas bataille. Là, qui est-ce qui gagne, les enfants? Qui a la carte la plus forte? Eh oui, très bien, c'est encore Louve. Elle a 4 et 4, c'est plus grand que 2. Donc, Lou perd à nouveau ses cartes et c'est Louve qui les gagne. Allez, on poursuit pour un dernier coup. Alors, là, Lou a 1 et Louve a 3. Est-ce qu'il y a bataille, les enfants? Non. Eh oui, il n'y a pas bataille. Pour qu'il y ait bataille, il faut qu'il y ait les mêmes cartes, le même chiffre de chaque côté. Donc là, il y a 1 d'un côté et 3 de l'autre. Qui est-ce qui gagne? Eh oui, c'est Louve, bravo. Elle gagne parce qu'elle a 3 et 3, c'est plus grand que 1. Très bien. Voilà les enfants,
À quoi consiste le jeu de la bataille? Si vous n'avez pas de jeu de cartes comme ça à la maison, vous prenez des petites, une grande feuille que vous découpez en cartes, comme ceci, et vous dessinez les enfants. Vous pouvez dessiner vous-même des ronds sur les cartes que vous aurez fabriquées. Voilà, sur les petits carrés, vous mettez les petits rectangles, vous mettez des ronds pour représenter un chiffre. Par exemple, ici, c'est le chiffre 5. Ici, c'est le 4. Ici, c'est le 3. Le 2. Le 1. Et vous pouvez faire comme ça avec plusieurs cartes. Vous changez de couleur. D'accord, les enfants? Sinon, vous prenez un jeu. Vous demandez à papa et maman s'ils peuvent vous acheter un jeu de cartes. Vous en trouverez jeux de cartes pas chers chez Action. Ils sont à 1 euro, il me semble, les deux jeux de cartes. Voilà les enfants, j'espère que ce jeu vous a plu. Et nous nous retrouverons bientôt pour la suite du jeu de la bataille. Parce que j'ai une autre petite surprise pour vous. À très vite les enfants.